Salut à tous, c'est Arkenke, bienvenue dans Train 3. Aujourd'hui, ce niveau-là, je l'avais fini, j'ai fini en off. J'ai pas pensé à enregistrer au moment où je trouvais les endroits, mais bon, ça se voit à peu près quand j'avais tourné l'épisode. Donc voilà, j'ai réussi à le finir à fond, hein. C'était pas bien compliqué. Je sais pas, ouais, j'ai trouvé assez vite en le faisant en off, donc voilà. Ici, il me semble qu'on avait fait, hein. Ouais. Donc le prochain niveau, ça va être. Attendez, je vais prendre Pontus. On va pas faire les petits. Non, je vais en faire un gros là. Ouais, après j'ai cela à faire, mais je vais faire ce gros là, et puis après on verra. Le prochain épisode, ce sera sûrement les petits. Allez, c'est parti, donc 150. Un livre particulier semble avoir capturé bien plus que l'attention de nos héros. Ce tome, intitulé « Les chroniques du gardien », contient les mémoires d'un grand magicien mort depuis bien longtemps. Ah ouais, d'accord, ah, c'est pas mal. Donc, c'est parti. Quelle manière étrange de faire des recherches. Allô? Ah, y a-t-il quelqu'un? C'est super bien. Ah, j'aime bien, c'est franchement. Attendez, joli, hein. Voilà. Non, c'est. Amadeus, Lucius et Zoya, m'entendez-vous? Comment nous connaissez-vous? Nous avons partagé de nombreuses aventures ensemble. Je suis Train. Train? Dame Train? Où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Je suis un esprit, comme Sarek. Je n'ai pas de corps. Mais maintenant que nous sommes tous ensemble, nous allons pouvoir discuter. Déplaçons-nous. Ça devient de plus en plus étrange. Nous devrions faire ce qu'elle dit si nous souhaitons sortir de livre. Allez, je vais essayer de pas en louper cette fois. Ah, ça fait bizarre cet effet en fait. Comment on fait là? Oh, on peut s'emmerder, hein. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. Non, on peut pas. Merde. Faut faire comment? Voilà, donc c'est avec elle. Ah merde, je suis derrière. Ah, je me suis suicidé là. Non, c'est pas grave. Bon, alors, comment il faut faire là? Bah là, j'imagine qu'il faut faire comme tout à l'heure, hein. Ça devrait le faire. Ah, faut bien y aller doucement. On peut sauvegarder, nickel. Donc on verra bien si j'en ai loupé. Si j'en ai loupé, je ferai comme d'habitude, hein, je vous mettrai les... Quoi? Ah, tac. Ces créatures nous attaquent-elles? Ouais, je vous mettrai comme d'habitude les petites scènes. Comment à la fin. Ouais, l'épisode précédent, j'en ai juste fait une en fait. C'est pas... D'ailleurs, je crois que je suis passé devant pendant l'épisode. Enfin, c'est sûr que je suis passé devant. Et là, j'ai à peine réfléchi, j'ai regardé, j'ai fait bon, on va se servir de ça, et bim, ça a marché direct. Allez, descends-moi ça! Ah, attendez, hop, voilà. Parfait. Merde.
On va le mettre là par là, je pense que ça ira bien. Par contre. Voilà. Et ça passe. Je suis sûr que ça passe. Voilà, parfait. Quand vous avez rencontré Sarek, vous n'avez vu que son esprit. Il y a 1000 ans, il était encore vivant et au sommet de sa puissance. Sarek avait un désir insatiable de puissance et de magie. Il parvint à un moment à se rendre immortel, mais sa réussite le rendit fou. Totalement fou et inarrêtable, Sarek devint une menace pour toute vie en ce monde, car personne ne pouvait le vaincre. Et maintenant, ce sorcier à la puissance immense souhaite nous voir tous les trois morts? Je n'ai pas peur. Nous avons Trine avec nous. Oui, mais elle est aussi éparpillée aux quatre coins du monde. Merde. Ah d'accord, fallait juste faire comme ça. Alors là, ouais, je sais pas. Hop là, tu dégages. Oui, par contre, ouais, on va faire pas. Comme ça. Hein. Ça devrait suffire, allez. On verra bien. Ah, peut-être pas. Non, on va peut-être faire j'en prends la deuxième. Ouais. Oula, oui. Donc, toi, tu viens ici. Il peut pas lui. Ah si, il peut. Bon voilà, ça devrait suffire là. Non. Ah, oh, je suis sûr que ça peut là. Ouais, oh. On abuse pas, hein. Et là, on peut y aller. Ah, faut bien faire gaffe, ouais, parce que là, j'ai un peu plus de mal à voir. À voir les effets. Ça se trouve, c'est peut-être mes nouvelles lunettes qui fait que j'arrive mieux à voir les endroits, parce que, ouais. Ça fait du bien quand même. Là, par là, peut-être. J'en ai combien, ouais, j'ai le moment encore, hein, je pense. Ça fait souvent des chiffres ronds, donc là, 30, il doit m'en manquer un hein, déjà. D'accord. Allez, on casse tout. Hop là, attaque écrasement. Ah merde, je l'ai pas tué. Excuse-moi, c'est là. Allez, bon, il est dans la porte, lui, on va attendre qu'il se débloque. C'est bon? T'es calmé? D'accord, ça doit juste servir à ça. Et là, j'imagine. Ah oui, d'accord. Et j'imagine qu'après, il faut faire ça. Ah, c'est logique. Par contre, là, il n'y a rien. Non. Donc, on peut y aller. On continue. C'est vraiment très joli, ouais. C'est Sarek de son vivant. C'est vraiment pas mal. Oh, ouais. On peut y aller. Ah!
Ah, je sais ce qu'il faut faire. Ah, attendez, je vais essayer, on va voir. Merde. Vous avez compris l'idée, hein, je pense. Voilà. On va passer par là. Ouh là là. Descends doucement. Non, y'a rien là, on peut y aller. Quoique y'a rien là, c'est même pas sûr. Hein. Ah d'accord. Parfait, désolé, je me concentrais hein, pour pas tomber. Y'a rien là. On peut pas y aller. Non. Bon bah c'était juste ça. Bouge pas toi. Ah faut peut-être le tuer lui, je sais pas. Ah d'accord, j'ai compris. Vas-y, tombe ici. Ah c'est bon, je m'enfuis. Ah ça va, je suis bien content, j'arrive à trouver assez facilement les énigmes. Alors ensuite. Et ça faisait un moment que j'avais pas joué à Trine, hein. Je suis désolé, c'est vrai que... Xenoblade m'a bien pris du temps, mais bon, je suis désolé, quand je suis à fond dans un jeu, bah c'est comme ça. C'est pour ça que j'évite de faire certains jeux aussi avec vous. Ouah. Ça embarque. Y'a... Non, y'a... Bon, d'accord, on a compris. Oh putain, un passage? Vas-y. Je regarde, hein, on sait jamais, il faut vraiment pas... ça m'arrangerait de le faire d'un coup avec vous, quoi. Bah sinon, après, comme d'habitude, hein, je serais comme les épisodes précédents, sauf celui d'avant, ouais, où je me suis vraiment... D'accord, alors là, attendez, j'essaye de réfléchir. Ce qui est pas facile. Ah vas-y, dis-moi ça, là. Ça ira très bien là. Par contre, il n'y a rien. Ah, si, là en bas. Ah, je pense que c'est bien là. Personne ne peut tuer Sarek. Il a enchanté son cœur afin de vivre éternellement. Alors on plante une épée dans son torse pour détruire son cœur. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Sarek a caché son cœur. D'ailleurs, il l'a si bien caché qu'un millier de héros, sur un millier d'années, n'ont pu réussir à le trouver. On dirait la chasse au trésor la plus difficile du monde. Ça n'en est pas loin. Mais je ne pense pas que nous trouverons un cœur d'or. Ah, j'aime beaucoup le style artistique en tout cas, moi. Ah, bah enfin, du comité d'accueil. Hein? Ouais, tiens, attention. Attaque charge! Hop là! On éloigne les autres, pour l'instant on s'occupe de lui, lui on défonce. Voilà, on passe contre le mur, hein. Hop là, oh putain. Pardon, excuse-moi. Oh là là.
Ah ah. On peut les soulever, eux. Ah mais attends. Faut que tu dégages. Voilà. Est-ce que eux, on peut les soulever? Non. Donc lui, j'ai compris qu'il fallait le lever. Lui, j'ai compris qu'il fallait le baisser. Non. Comment il faut faire pour le lever? Attendez, je réfléchis pour le lever, lui. Ah, parce qu'on voit pas bien la porte d'ici, ça c'est chiant. Ouais, en fait il faut courir. Oui, parce que je trouvais ça bizarre, je disais mais c'est impossible de le laisser longtemps. J'ai dit bon, je pense qu'il faut y aller comme un sourd. Hein. Vas-y, fais-moi péter. Non, viens ici toi. Voilà. Ouais, ça devrait le faire là, non? Là là. Bon, on va essayer de la rapprocher encore un peu. Voilà. Bon, on casse tout. Là-haut, il y a un truc. Là-haut, il y a un truc. Merde. Ah, sur ta tête, c'est pas grave. Ah ouais, pas con, ça. Pas con. On va mettre un deuxième, comme ça. Voilà. Et comme ça, on y arrive. Bon, là, franchement, j'aurais pas... Par contre, attendez, hein. Voilà. Tu peux le descendre, toi? Ah, parfait, vas-y. Ah, mais si on peut pousser, ça sert à rien de... Ah, mais par contre, si, on peut, regarder. Je sais pas, on peut pas l'attacher par là, hein. Non, on s'en fout. Mais je pense que, ouais, à la base, eux, ils veulent qu'on fasse ça. Ils veulent qu'on monte ce truc par là et qu'on l'attache la corde à ce bloc-là. Sauf que, moi, j'y vais comme ça. Mais je pense que c'est ça, l'idée. Y'a un truc, là. Oh, mais c'est pas intéressant. Là, c'est déjà plus compliqué, là. Mais bon, on va faire... voilà, là je pense que je vais être obligé de le faire. Non, pas lui. Enfin, pas lui, je veux dire. Allez, dégage-moi ça, toi. Non. Attendez, je vais dégager ce bloc, hein. Là, qui m'emmerde pas. Ah. Putain, mais je disais... Oh. Donc c'est pas ça. On va essayer comme ça. Non. Voilà, au pire on va faire comme ça. Allez, je suis sûr que c'est bon là. Voilà. Allez. Allez. Ah, je suis sûr que c'est faisable.
Voilà. Allez, ça passe. Je sais pas trop où j'en suis dans le niveau. 82 sur 150. J'étais vivante à cette époque. Dans un d'accord. Ma sœur Rona aussi. Nous avions pour but de sauver le monde. Le gardien était un magicien légendaire. Il nous avait confié le moyen d'emprisonner sa reine. Tu vas tomber, toi tu n'es pas frappé. Allez, 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 allez. Attention. Toi j'ai dit que tu voulais tomber, voilà. Ah, oups. Voilà. Donc là, lui, je vais attendre qu'il me fonce dedans. Voilà, parce que je pense qu'il va pas me servir à... Ah si, là. Vas-y, tombe. Parfait. Ah, vas-y, écrase-moi ici. Voilà, faut pas l'oublier celui-là. Il va pas me suivre plus loin, je pense. Mince, je me suis raté. Je voulais l'écraser. Ah, d'accord. Oh, bah, c'est pas grave ça. Bah, tu sais quoi? Je viens plus par là. Tu me serviras bien d'ici, je pense. Ah merde, en fait il aurait bien fallu que je passe là-haut, c'est pas grave, allez on recommence. Voilà. J'avais peur que ce soit le chemin principal là, mais en fait non. Rona et moi avions traqué Sarek afin de l'affronter. Il a dû se douter que quelque chose se traînait, car alors il s'est enfui. Notre plan était de séparer son âme en trois parties, puis de les cacher de par le monde. Cela devait le priver de ses pouvoirs et nous laisser le temps de trouver son cœur caché. Où se trouve Dame Rona de nos jours? Vous le saurez bientôt. Je parle pas, hein, je laisse profiter. C'est vrai que je sais pas trop quoi commenter à part. Vas-y, tombe. Oui. Hop, oh, l'attaque charge. Hop là, hop là. Toi, je t'assomme. Puis j'essaye de me concentrer aussi pour rater aucun. Aucun train angle. Un train angle. Oui. Wow. Bon, déjà j'ai trouvé l'idée. Ouais, ma... Putain, mais c'est pas possible, je suis trop... Lâche-le! Ah! C'est trop dur! C'est trop dur avec lui! T'as le bordel que je suis en train de foutre en plus, c'est pas grave, mon fou! Voilà. Y'a rien au-dessus. Nickel. Donc là maintenant, j'ai juste à le faire sur lui. Lâche ça, bordel de merde! Parfait. C'est plus dur à utiliser le magicien, moi c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal. Hein. Oh putain. Hop.
118 sur 150. J'ai l'impression que j'ai pas un score trop pourri, mais... je sais pas. Je sais même pas si ça suffira, ça. Ouais, si. Merde. Allez, je suis sûr que c'est possible. Au pire, hein, ça on sait que c'est possible. Ouais. Vous voyez, hop là. Ok, mon portable qui vibre, désolé si ça s'entend. Ah mais je peux aller choper lui. Voilà. Non. Putain. Ça c'est chiant parce qu'on sait pas trop où c'est qu'il faut. Ah putain, fait chier quoi. Bon, vous avez vu que j'avais vu où il était, hein, mais. J'irai le chercher. Ça se trouve si je le mets pas, c'est qu'en fait c'était. Voilà, c'était évident quoi, vous avez vu que je savais où il était. Ah d'accord, j'ai compris. En tout cas, là par contre, on va se rendre à l'heure du magicien. Wouah! Ouais, c'est con parce que là je serais presque à 100, à 130 là. Je sais pas comment j'aurais tourné l'épisode, mais je pense que ouais, je l'ai tout en une fois. Voilà. C'est bon, y a plus personne? Voilà, vas-y, récupère ça. Rame du cul, là. Parfait. Donc ça fait 130, normalement je devrais avoir 135 quasiment. Alors j'imagine qu'il faut ouvrir les trois d'un coup, merde. Voilà, j'ai fait exprès pour désactiver lui là-bas. Lui on va le faire tomber là. Merci, au revoir. On va accélérer un peu. Allez, tu me casses ça, oui. C'est ça, là. Hein. Alors là, il y a des crochets. Là, il y a ça. Et j'oublie. Il veut pas tomber là-dessus. Et si je fais comme ça? Et que je passe comme ça? Voilà. Et que lui, je lui balance ça comme ça. La magie! La magie! La magie! Oh, c'est beau! Oh putain! Est-ce que je suis bon aujourd'hui? Franchement, je suis plutôt fier. Bon. Allez, on se casse. Nous avions coincé Sarek dans les profondeurs d'un volcan. Car nous devions disposer de son corps afin de piéger son âme. Et vous l'avez affronté dans un grand combat. Oh, mon Dieu! Dame Trine, vous êtes morte? Le corps de Trine périt. Mais les artefacts de pouvoir sont nés. Leur magie a donné à Trine et à sa sœur la force et le savoir pour emprisonner Sarek. En attendant le temps où des héros courageux et assez intelligents trouvent son cœur.
Donc voilà, j'en ai raté 12. Hein, Donc voilà, j'ai un petit niveau qui vient de s'ouvrir là. J'en ai un petit qui vient de s'ouvrir là aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en off, là, je vais vite regarder ce qu'il me reste à faire. Ce qu'il me reste à faire, parce que, ouais, regardez. On va voir où je les ai oubliés. J'en ai oublié 3 dans les escaliers, là. Et là, j'en ai oublié 5. Une boîte bien utile, mais bien sûr, on sait où c'est. Hein, c'est celui que je me suis raté sur la fin. Sinon, à la fin, j'ai bien réussi. Mais ce niveau est très sympa, franchement, pour le côté artistique, là, ça change un peu, en fait. Donc c'est pas mal. Allez, bah merci de m'avoir suivi, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, la prochaine fois, là, on fera les petits niveaux qui sont autour, là, je pense. Allez, bise !